Bien, eh bien, bonsoir. Je vous remercie tous de votre présence ce soir. Alors, c'est la suite et pas tout à fait la suite de ce qu'il y a eu lieu la semaine dernière. Nous avons donc la semaine dernière projeté un film qui s'appelait Le Préfet de l'Ombre, donc qui relatait l'histoire de Jean Moulin dans la Résistance. Donc là, on était plutôt, je dirais, sur l'histoire nationale de la Résistance avec les grands témoins de la Résistance française. Et ce soir, nous sommes plutôt sur l'approche lyonnaise de la Résistance, dans l'évocation donc d'un mouvement de résistance qui s'appelle le Coq Enchaîné. Et nous allons donc voir un film qui va vous relater l'histoire de ce mouvement, un film qui dure une vingtaine de minutes. Alors pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, pardon pour ceux qui étaient là la semaine dernière, en revanche, je vais représenter nos deux réalisateurs, auteurs-réalisateurs des deux films que nous avons vus donc, la semaine dernière et que nous voyons ce soir. Donc si vous voulez bien me rejoindre, monsieur Didier Bouillot et puis monsieur Bernard Maigrot. Qui nous font le grand plaisir d'être présents. Donc Didier Bouillot, vous êtes historien, vous êtes journaliste à France 3, vous avez été rédacteur de France 3 Rhône-Alpes, vous avez réalisé de nombreux documentaires historiques. Et puis monsieur Bernard Maigrot, vous êtes réalisateur, metteur en scène. Vous avez collaboré à plusieurs reprises tous les deux sur différents films et vous êtes vous-même auteur de films de fiction, de films magazines, de films documentaires. Donc on a la chance de les avoir tous les deux parce que ce sont eux qui ont, dans le cadre de la réalisation de ces deux films, récupéré et réceptionné les témoignages des acteurs de la Résistance, donc ceux que nous avons vus la semaine dernière et ceux que nous verrons ce soir. Et puis ce soir, nous avons une troisième chance de l'importance du 3 avec la présence de monsieur Sanglera, qui est là au premier rang, que vous verrez tout à l'heure. Voilà. Qui nous expliquera, parce que autant que ce soit lui qui le dise plutôt que moi, mais qui nous expliquera son long parcours de résistant, parce qu'il me semble que tout ça a démarré très tôt. Vous étiez au collège ou au lycée lorsque vous avez votre conscience de résistant et votre implication dans la résistance qui s'est faite entre Annecy et Lyon, si j'ai bien compris. Et bien sûr, votre rôle, votre intervention dans le cadre en particulier du Coq Enchaîné, qui était donc un mouvement de résistance et qui s'appuyait bien sûr, comme la plupart des mouvements de l'époque, sur la publication d'un journal clandestin. J'en dirai pas plus, on va laisser donc la place au film. Je vais simplement laisser la parole 2 minutes aux deux réalisateurs qui vont vous dire quelques mots en introduction. Nous avons le film ensuite pendant une vingtaine de minutes et puis la parole vous sera donnée immédiatement derrière pour les échanges que vous souhaiterez avoir avec les deux réalisateurs et avec monsieur Sanglera. Bonsoir. Juste une précision, le film que vous allez voir ce soir est un condensé de l'histoire du Coq Enchaîné, qui est une histoire qui véritablement dure 3 ans et demi, hein, de mi-41 à fin 44, mais qui a des racines avant la guerre et des branches après la guerre. Donc là, c'est un condensé de cette histoire de résistance, histoire d'un mouvement de résistance et la trace qu'ont laissé ses membres dans l'histoire. Donc nous développerons après la projection. Je peux dire un mot ? Un seul. Oui, c'est pour vous dire seulement que ce sont les anonymes. Ce sont des anonymes. Ce sont des gens comme vous et moi qui, un beau jour, ont décidé de prendre des armes ou de partir dans le maquis afin de libérer la France. Merci.
Voilà, donc tous les trois sont à votre disposition maintenant pour toutes les questions que vous pouvez avoir à poser par rapport, bien sûr, au travail qu'ils ont pu faire en tant que réalisateurs, sur le choix des témoins, sur la façon dont ils ont pu travailler pour récupérer la parole de ces témoins, sur les aspects historiques aussi, bien sûr, puisque là, vous avez quand même trois personnes qui peuvent répondre à toutes vos questions aussi sur l'aspect historique. Voilà, je vous laisse la parole, vous la demandez, nous sommes deux dans la salle, nous avons deux micros à votre disposition. Alors, je vais vous demander systématiquement de parler dans le micro, s'il vous plaît. Je voulais simplement demander en quelle année vous l'aviez tourné. En 1994. 14. Ce qui signifie que la totalité des témoins de l'époque ne sont plus aujourd'hui... La quasi-totalité. Guy Sanglera est l'un des derniers témoins ayant vécu l'histoire du coq enchaîné, ayant participé à l'activité du coq enchaîné. Marcel Kless, que nous avions interviewé à l'époque, est décédé en 1998 et il était le dernier des fondateurs, des membres fondateurs de ce mouvement de résistance. Peut-être pour démarrer la discussion, la première question qui moi me viendrait relativement facilement, c'est pourquoi n'a-t-on pas entendu parler du coq enchaîné, qui était un mouvement de résistance, on l'a entendu, hein, à la fois localement fondamental, relié au grand mouvement de résistance nationaux, avec plus de 3000 sympathisants, donc c'était un mouvement important. Comment se fait-il que dans la mémoire de la résistance, en tout cas telle qu'éventuellement nous pouvons la connaître les uns et les autres, il soit si peu fait référence au coq enchaîné? Oui, il y a plusieurs... donnez-moi un peu de son. 1, 2, Paris, Bordeaux, Le Mans. Oui, ça marche. Il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, déjà, le coq enchaîné ne fait pas partie du Conseil national de la résistance. Ah, il est en dehors, il est relié directement à Londres par le réseau Buckmaster, comme on a vu le SOE. Voilà, ça, c'est une des raisons. En plus, il était vraiment très lyonnais avec des ramifications Annecy, avec une... on a aussi Saint-Étienne, n'est-ce pas? Mais. Étant donné que le mythe de la résistance, c'est plutôt les grandes figures nationales, indéniablement, le coq enchaîné est resté un petit peu en arrière. Une chose que vous ne savez pas, c'est que le père de Didier faisait partie du coq enchaîné. Il ne l'a pas dit, mais moi je le dis pour lui. Et c'est pour ça aussi qu'on a fait ce film, parce qu'il avait les journaux, il avait la mémoire. Alors, pour aller dans ce sens, d'abord, il n'y a pas que le coq enchaîné. Il y a aussi d'autres mouvements de résistance, l'organisation de résistance de l'armée, défense de la France, etc. Dans son homélie, dans son oraison funèbre de Jean Moulin, André Malraux cite les trois grands mouvements. Libération, combat d'abord, libération et frontière ensuite, qui sont les trois piliers sur lesquels s'appuie la résistance intérieure française. Et puis, il a ce terme, et les autres mouvements, il parlait des mouvements de zone nord, dont l'histoire retiendra tous les noms, parce qu'il y en avait une multitude. Simplement, à Lyon, où s'étaient repliés énormément de réfugiés alsaciens, de responsables de Paris, etc., s'est organisée une résistance plus structurée. Et dans les premiers mois dans les derniers mois de 41 et les premiers mois de 42, le coq enchaîné, quelque part, arrive par son implantation locale à créer un mouvement nombreux, structuré, ayant des contacts avec les Anglais. Il est efficace pour amener une action. Et ça va lui poser un problème, effectivement, comme l'a souligné Bernard, c'est-à-dire que dans les derniers mois de 1942 et en 1943, il n'était pas forcément très bon d'avoir travaillé avec les Anglais directement.
Donc, dans l'immédiate après-guerre, ben finalement, cette action-là du coq enchaîné, même les membres du coq enchaîné ne s'en sont pas prévalus. Ils se sont prévalus de la résistance, ils se sont prévalus des réseaux de renseignement liés à la France libre, mais pas forcément de ce début-là. Et puis, je dirais que... le temps fait son œuvre aussi, et au fur et à mesure que le temps passe, ben, on garde les grandes lignes, et à ce moment-là, ben, effectivement, les histoires particulières s'estompent et s'oublient un petit peu. Et heureusement, il reste Guy. Il est incontestablement qu'il y avait une rivalité entre le SOE et le BCRA, le service secret de Gérald de Gaulle. Oui, d'un côté, il y avait Churchill qui ne voulait pas de De Gaulle et De Gaulle qui ne voulait pas de Churchill. Donc, ça, on les retrouve ici, hein, c'est évident. Il ne faut pas se leurrer. Le mouvement lyonnais, il y avait aussi France d'abord. France d'abord, oui. Oui. Oui, bonsoir. Vous pourriez... Pour l'image, mademoiselle. Ah ben, depuis le temps que tu photographies, autant que ça t'arrive à toi. Est-ce que vous pourriez préciser le positionnement politique, on a entendu laïcité, etc. Est-ce que vous pouvez un petit peu préciser, s'il vous plaît? Alors, le coq enchaîné se définit par un triptyque. Il est radical, socialiste et franc-maçon. Après, en fonction de la personnalité qu'on va mettre en lumière, le triptyque aura les mêmes termes mais différents. Georges Dunoir, il est franc-maçon, radical et un petit peu socialiste, mais radical et radical socialiste. Jean Fousseret, il est socialiste, radical socialiste et, comme on dit, maçon sans tablier. Voilà. Lucien de Goutte, il est radical, franc-maçon et socialiste. Vous voyez, c'est cet élément-là. Donc ça définit, je dirais, l'état-major du coq enchaîné. Mais après, dès qu'on arrive, je dirais... Ça définit aussi la façon dont le coq enchaîné s'est développé dans les ateliers d'Oulin. C'est les ateliers SNCF, c'était un des points forts de l'industrie lyonnaise à cette époque. Et il y avait, de par les canaux socialistes d'avant-guerre, des connexions avec les ateliers d'Oulin. Dans l'Est lyonnais, ce sont les canaux socialistes du docteur Fousseret qui fonctionnent. Les imprimeurs qui ont fabriqué le journal sont tous les imprimeurs francs-maçons qui travaillent avec Georges Dunoir. Donc voilà, le coq enchaîné, c'est ce triptyque-là. Et si je peux préciser, dans le radicalisme, c'est ce lien très fort avec Édouard Herriot qui a une importance particulière parce que auprès des Anglais, Ce lien-là donne la légitimité pour être l'interlocuteur et surtout recevoir des armes. C'est-à-dire que les Anglais, pour envoyer des armes, ils ont besoin de connaître leurs interlocuteurs et de savoir que ces armes-là se retourneront pas contre eux ou ne passeront pas d'un côté, c'est-à-dire côté Vichy, ou de l'autre, c'est-à-dire côté communiste. Avec les radicaux, ils sont sûrs de leur coup. Donc, ils fournissent des armes aux radicaux. Lévy nous dit aussi que, indéniablement, le coq était anticlérical, et c'est pour ça qu'ils se sont séparés d'ailleurs de Franc-Tireur, parce que Franc-Tireur était beaucoup plus dans la calotte, je dirais. N'est-ce pas? C'est bien ça? On peut le dire. Il y a des rires. Je pense qu'il faut souligner que, grâce au coq enchaîné, les premiers parachutages d'armes dans la région ont eu lieu au mois de mai 1942, alors qu'en Haute-Savoie, je suis savoyard, où ce résistance était en mars 43, toujours avec le SOE d'ailleurs, et en Savoie en janvier 44. Donc vous voyez la différence et l'influence du coq enchaîné et des contacts avec le SOE. Monsieur Sanglera, est-ce qu'on va en profiter justement? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer votre parcours de résistant? À quel moment vous êtes
senti impliqué dans la résistance. Vous étiez jeune à l'époque. Et comment, effectivement, vous avez rejoint le mouvement du coq enchaîné et vos relations entre Annecy, Lyon, le rôle que vous avez joué? Bon, eh bien, si vous voulez, moi, quand je suis arrivé en hippotope en septembre 1941, immédiatement comme interne, j'ai sympathisé avec un juif communiste, un catholique très pratiquant et un protestant très rigide. Et on n'aimait pas le maréchal Pétain ni les Allemands. Moi, mon père était officier de réserve et il était dans un camp, un Neuflag, en Poméranie. Et un jour, j'ai été contacté par quelqu'un qui m'a dit « Tu es savoyard, eh bien, est-ce que tu peux porter des journaux à Annecy ?» J'ai dit « Oui, bien sûr. » Eh bien voilà, un paquet de journaux, tu les portes là-bas et tu vas les donner à monsieur Richard Andrès, qui est coiffeur chez Victor Raclet, 20 rue Filatry à Annecy. Eh bien, je suis allé là-bas et je n'ai connu que ces deux personnes pendant tout le contact. Et après-guerre, je me suis aperçu que j'avais des camarades d'enfance, de lycée, par exemple Lucien Bell, et qui étaient résistants. Eh bien, je ne le savais pas et qui faisaient membre du coq enchaîné. Donc, j'avais un seul contact comme ça. Vous étiez à l'époque, si je ne me trompe pas, au lycée du Parc, c'est bien ça ? Au lycée du Parc, comme interne. Voilà. Donc, vous aviez à peu près 16-17 ans ? J'avais 17 ans quand je suis arrivé, et donc 17 ans et demi quand j'ai eu les premiers transports de journaux. Et ensuite, nous avons eu des séances d'entraînement d'armes après le parachutage dans une maison qui était à côté de la préfecture de Haute-Savoie, la préfecture de Lyon, pardon. Et on nous avait dit, vous montez rendez-vous à tel jour, tel après-midi, c'est un jeudi après-midi, il y a un escalier qui monte raide, tapez à la porte du haut, à droite, le mot de passe. Et c'est là où on a appris à manipuler la mitraillette Sten, les crayons explosifs, etc. Qui t'ont servi au maquis ? Qui m'ont servi au maquis après. Alors après, en 1943, quand il y a eu les contacts avec... il y a eu pas mal d'arrestations au coq enchaîné, et mon contact a été coupé. Mon contact à Annecy aussi. J'ai su après la guerre que Victor Raclet avait dû, chassé par la milice, avait dû passer en Suisse, et que Richard Andrès avait été tué par les Allemands. Et tous les ans, le dimanche le plus près du 18 janvier, on a une cérémonie souvenir pour la mémoire de Richard Andrès et de son chauffeur qui ont été abattus par les Allemands, Anne Silvieux. Non, mais en fait, c'est parce que je suis historienne, donc je m'intéresse beaucoup à la question. J'ai vu dans votre reportage que vous avez utilisé une musique de résistance allemande, c'est bien ça ? Oui. Le chant du marais, et je me demandais pourquoi vous n'avez pas pris une chanson beaucoup plus... C'est pour indiquer que ce... Laisse finir la question. Ah, pardon. Pourquoi vous n'avez pas pris le chant des partisans, une chanson beaucoup plus connue de la résistance ? Alors, pourquoi ? Alors, ça, c'est une très belle question, n'est-ce pas ? Je vais essayer d'y répondre. Pour déjà dire au public français qu'il y avait une résistance allemande, une vraie, hein, dont on a très 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 peu parlé, et qui s'est retrouvée aussi dans les camps, hein, bienvenue dans les camps d'extermination. Deuxièmement, parce que j'avais appris que Mouloudji était franc-maçon et que je trouvais que c'était très intéressant de voir Mouloudji chanter cette chanson. Pourquoi pas le chant des partisans ? Tout le monde le connaît, ça ne pouvait pas révéler quelque chose. Alors que ce chant-là, si vous l'avez bien écouté, hein, surtout le dernier couplet, « Ô ma patrie libérée », ça veut quand même dire quelque chose. Voilà un petit peu pourquoi je l'ai choisi, sur des images de Lyon. C'est pas un anachronisme, c'est aussi une résistance dont on pouvait parler. Il y a une autre raison plus prosaïque, c'est que 6 mois avant, on avait fait le film sur Jean Moulin, et là, on avait largement utilisé le chant des partisans. Donc, c'est un vrai apport de réalisateur d'apporter sur la bande-son, voilà, d'apporter sur la bande-son un message supplémentaire.
Il y a celui des témoins, il y a celui du montage, du narrateur, et puis il y a cette bande-son qui, en plus, dans cette interprétation-là, véhicule aussi une très forte émotion. Et dans un documentaire audiovisuel, c'est important d'avoir cet aspect-là aussi. D'abord, je veux vous remercier. J'ai été très émue. J'ai trouvé ce film très intéressant et très bien fait. Et la musique aussi m'a beaucoup émue. Le parachutage dont vous parlez, c'est dans l'Ain. Oui. C'est celui qu'on appelle Bliss. Bli. Oui. B-L-Y-E-S. C'est ça. Il me semble que le capitaine Billon était présent à ce parachutage. Oui. Le capitaine Billon, donc, qui est le premier chef régional de l'armée secrète. Tout à fait. Et il était présent. Alors, donc, c'était avant, puisque quelle était la date de ce parachutage ? 28 mai 1942. 28 mai 1942. Donc, il venait d'être nommé chef régional des formations paramilitaires de combat. Mmh. Il n'était pas encore nommé chef régional de l'armée secrète. Qui n'existait pas encore. Oui, première rencontre entre Jean Moulin et de Lestrin, 28 août 42. Mmh. Qui, à ce moment-là, Jean Moulin fait mettre immédiatement, dit Raymond Aubrac, immédiatement, à la disposition de Delestrin, du général Delestrin, les chefs paramilitaires des trois grands mouvements de résistance. Mmh. Donc combat, que vous avez énuméré, franc-tireur et libération. Et libération. Donc ma question, c'est à Monsieur Sanglera, avez-vous connu le capitaine Billon ? Non, moi j'étais le deuxième classe, si vous voulez. Oui. Donc je ne connaissais pas. Pas de simplement celui. Transporter les journaux. Et puis alors un jour aussi, on m'a dit, tu sais, il y a nos amis qui arrivent à la gare des Brotteaux avec une valise pleine d'armes et il doit la remettre à quelqu'un d'autre qui arrivera à la gare de Perrache. Et ils sont tous les deux connus par la police de Lyon, donc ils ne peuvent pas prendre le risque de traverser la ville de Lyon. Il faut quelqu'un qui ne soit pas connu par la police. Alors toi, tu vas aller là, je dis bien. On m'a donné le signalement, je suis arrivé à la gare des Brotteaux. On m'a donné, j'ai trouvé le camarade. On a échangé le mot de passe, il m'a donné une vieille valise bien lourde. J'ai pris le tram numéro 7 et je suis parti en direction de Perrache. Quelques stations plus loin, il y avait un Allemand qui est monté dans le train. Dans le tram plutôt, il m'a regardé, il a vu ma valise. J'ai dit, s'il m'ouvre, il me demande d'ouvrir la valise, je n'aurais pas été là pour vous raconter l'histoire. Mais il a dû penser que j'étais un jeune, j'avais 18 ans à l'époque, qui faisait peut-être du marché noir, il y avait peut-être des œufs ou de la viande dans cette valise. Il n'a rien dit. Il est descendu à Melcourt, j'ai dit ouf. Je suis allé à Perrache, j'ai trouvé l'autre camarade, j'ai donné la valise avec plaisir. Et je suis revenu au lycée, j'avais fait le mur hein, d'ailleurs pour sortir du lycée, j'étais interne. Et j'ai dit ouf. Si je comprends bien, vous avez récupéré au Brotteaux et à Perrache oui. Les armes parachutées voilà. À Bliss. Exactement. Oui, ok. Et vous pouvez venir que de là. Oui, ok, merci. Au sujet de Delestrin, c'est Bourdet. C'est Moulin a envoyé Bourdet à Bourg-en-Bresse, retrouver Delestrin. Pour lui demander de prendre la tête de l'armée secrète. Et Bourdet nous dit d'ailleurs, un général 3 étoiles qui se met aux ordres d'un général 2 étoiles, c'est quand même assez rare. Il y a eu aussi son nom ne me revient pas, vous mettez l'accent sur Bourdet, moi je mettrai l'accent sur celui qui était responsable régional de combat dont le nom est gravé rue Vauban sur la porte
l'imposte vitré de la porte de l'immeuble 20 rue Vauban. Comment il s'appelait? Je ne sais plus. Je vous le redirai tout à l'heure. Je mets l'accent sur Bourdet parce que c'est lui qui a été voir de l'Estrin, c'est tout, hein, sans plus. Hein. Juste, madame, vous faites allusion au capitaine Billon, donc premier chef régional de l'armée secrète, qui a été arrêté fin 42 et torturé dans les locaux de la Gestapo à Lyon, et il est mort en janvier 43 à Lyon. C'est l'un des premiers martyrs. Et vous soulignez également que, effectivement, dans ce parachutage, il y avait un membre de combat, le capitaine Billon. Il y avait également d'autres militants qui étaient de francs-tireurs. Et puis, le contact et l'organisateur du parachutage, Marcel Kless, eux, ils étaient du coq enchaîné. C'est-à-dire que dans cette période où finalement on s'était séparés parce qu'on n'était pas tout à fait d'accord, etc., eh ben on organisait quand même des choses en commun, en tout cas l'essentiel, c'est-à-dire la réception des armes. Et puis la deuxième chose que je voulais signaler, c'est que le parachutage de Blie, 28 mai, c'est les armes qui arrivent. Donc les mitraillettes, les pistolets, les explosifs. Et deux jours après, le 1er juin, à Ans, ce sont les instructeurs. Manque de peau, les instructeurs se font arrêter. Donc, les militants, Marcel Kless et autres, ils ont bien dû se débrouiller pour apprendre à Guy Sanglerat et à ses amis à se servir de ces armes. Voilà, c'est un petit peu l'histoire. Après, il y a eu d'autres instructeurs qui sont arrivés, mais voilà. Et puis, dernier point sur cet élément. Très dernièrement, il y a 2-3 mois, c'est Jean-Luc Rémy-Briac, ancien résistant, également membre de la France Libre, qui lui était à Londres, qui, dans le magazine L'Histoire, je ne sais pas s'il y a des historiens, il y a au moins une historienne, a développé ce que la résistance doit aux Anglais. Et ça a été, comme l'histoire du coq enchaîné, passé sous silence pendant plus de 50 ans. Et ce que la résistance doit aux Anglais, c'est effectivement l'action du SOE, l'action de ce service qui s'appelait le Special Operation Executive, qui a instruit et formé les premiers maquis, véritablement, qui avaient comme but la guérilla. Puisque les premiers groupes paramilitaires, ils avaient pour but de protéger les chefs de la résistance, alors que les premières actions de guérilla, c'est le SOE qui les mène. Savez-vous qu'un Anglais, M. Foot, avait fait un livre qui précisait bien le rôle du SOE, et que la traduction en français a été interdite en France pendant de nombreuses années? C'est assez récemment qu'il était traduit en français. Non, il n'y a pas de censure, c'est pas vrai, ça. Bonsoir. J'avais une question pour M. Sanglerat. En fait, ça concerne un peu le rapport qu'on a avec l'histoire. Parce que je trouve que souvent, quand on regarde l'histoire, on ne se demande pas en fait ce que nous, on aurait fait dans une telle situation. Et moi, je vois un petit peu la situation économique de l'Europe aujourd'hui, avec tout ce système de banques qui spécule. Et je me demandais ce que vous pensiez, est-ce que vous pensez que la résistance, c'est encore quelque chose d'actuel par rapport à ça? Oh, je pense que le problème est quand même différent. Vous savez, quand on avait les Allemands sur le dos, moi j'avais mon père qui était en Poméranie, hein, donc je pense que c'est quand même différent. Pour vous répondre un petit peu plus sur le plan politique, si vous prenez le programme du Conseil national de la résistance, essayez de l'appliquer aujourd'hui, là il n'y aura plus la spéculation des banques. Mettez-vous bien ça à la tête, lisez-le, ça vaut vraiment la peine, hein, si vous le trouvez. Absolument, sur Internet. L'article sûrement. 5 vise l'éviction des féodalités financières de la direction de l'économie. Dans le Conseil national de la résistance, on l'avait dit déjà la semaine dernière, la sécurité sociale, le vote des femmes, c'est peut-être parce qu'on a fait de mieux, mais enfin bon... Ah oui, parce que vraiment, enfin Bernard bon. Mégo. Pardon. Bernard Mégo. Et qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait aussi les vacances, les 15 jours de vacances. Il y avait plein de choses dans le Conseil national de la résistance. Et effectivement, c'était un programme radical socialiste, disons, hein, un petit peu, avec un peu de gaullisme. Il avait
C'était le programme du Conseil national de la résistance. À l'époque, il n'y avait pas encore de, d'étiquettes. Elles étaient en sale état, dans un sale état, les étiquettes. Pour apporter ma réponse à votre question, je crois que chaque génération doit se poser la question de savoir quelles sont ses valeurs et jusqu'où elle est prête à se mobiliser pour les défendre. Et cette attitude-là, c'est une attitude de citoyen. C'est-à-dire qu'on n'est jamais indifférent à la situation économique, politique, sociale, etc. Mais on n'est jamais indifférent. Et quelle que soit la voie qu'on prend, on s'engage dans quelque chose, dans l'humanité. Aujourd'hui, ça peut être l'humanitaire, ça peut être le politique traditionnel, ça peut être d'un côté, de l'autre, etc. Mais c'est une attitude d'engagement. Et pour la génération de Guy, qui avait 15 ans, 16 ans en 1942, quelque part, l'engagement, il s'est présenté de la façon la plus dangereuse qui soit. Aujourd'hui, on a moins ce sentiment de danger. Donc, quelque part, bon, on peut se laisser aller. La génération de Guy nous démontre qu'on ne doit jamais se laisser aller. Je me souviens toujours, j'ai enseigné pendant 22 ans à l'école centrale de Lyon, la mécanique des soins et fondations, et au moment de mai 68, il y avait donc des choses qui se passaient. Et je me souviens toujours avoir dit à mes élèves, « Ah, vous avez manifesté, mais c'est formidable, c'est très bien ça. Qu'est-ce que vous avez risqué de recevoir des lances d'incendie, des pompiers ?» Nous, quand on manifestait, on risquait d'avoir des balles. Oui, ce qu'il faut, c'est savoir que tous les matins, quand on se lève, il faut se battre pour la liberté, quelle qu'elle soit. Et je crois que c'est un monsieur, il n'y a pas longtemps, qui a écrit un livre qui s'appelle « Résister », non ? Indignez-vous. Indignez-vous, ah oui, pardon, indignez-vous, voilà. Indignez-vous, ben voilà, indignez-vous. Gauche, droite, centre, ce n'est pas le propos, indignez-vous. C'est une meilleure façon de combattre pour la liberté. Et il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aussi on crevait de faim. Hein. Alors, moi je veux dire qu'entre Savoyard, on était relativement moins pénalisés parce qu'on avait quand même des... J'avais des tantes qui avaient quelques poulets, des choses comme ça. Mais vraiment, quand tu es interne au lycée du Parc, la pitance était vraiment maigre, très très maigre. Je suis né avant la guerre, donc je me souviens aussi. Et on mangeait des pâtes avec de la saccharine. Il n'y avait pas de sel. On nous mettait de la saccharine dedans. Et les rutabagas blancs et les rutabagas rouges, on ne me parlait pas aussi mauvais les uns que les autres. Et quand vous êtes interne au lycée... La cuisine n'est pas formidable, mais alors, la cuisine de guerre, encore moins. Non. Simplement, sur un plan très concret, comment pouvait-on faire des études à cette époque-là, justement ? C'est comment, une question. Comment peut-on faire des études à cette époque-là ? Ah ben, on a quand même envie de devenir ingénieur, on est en taupe, on se trouve avec un certain nombre de camarades, il y a une émulation, on fait avec, mais on travaille. Justement pour s'en sortir. Est-ce que... Oui, bien sûr. Mais si vous voulez, moi, j'avoue que je suis un peu sidéré quand je vois les journaux actuellement, hein, quand on parle de ce qui se passe. Mes parents étaient instituteurs. On travaillait, c'était normal. Donc, moi, quand je suis arrivé en hypotope à 17 ans, bon, on travaillait, et c'est tout. Il fallait faire ce qu'il faut. C'était normal. Oui. Moi, en fait, j'avais vu que la Gestapo Place Bellecour avait son siège à côté du siège de l'armée secrète. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. Et je me demandais comment c'était possible. En fait, les deux immeubles se côtoient. La Gestapo a eu son siège jusqu'en juin 1944 à l'école de santé militaire. Et en juin 1944, il y a eu un bombardement
le bombardement de Lyon, d'ailleurs donc, c'est le 26 mai 44, il y a eu le bombardement de Lyon, de Saint-Étienne, de Chambéry, etc. Les Américains ont balancé des tapis de bombes sur tous les nœuds ferroviaires, etc. Sauf que le nœud ferroviaire de Lyon, ils l'ont raté et c'est tombé sur l'avenue Berthelot et donc sur le siège de la Gestapo. Et donc la Gestapo s'est installée au 33 place Bellecour et le siège de l'armée secrète, pour autant qu'il y ait eu un siège attitré, mais en tout cas, l'un des appartements utilisés par l'armée secrète se situait dans l'immeuble à côté. Donc voilà comment ça a pu se passer. Mais je veux dire, il n'y avait pas une plaque marquée armée secrète. En revanche, il n'y avait pas une plaque marquée Gestapo non plus, mais tout le monde savait que c'était là que ça se passait. Merci pour le droit d'expression. Je voulais revenir sur le côté technique et sur le côté presse du coq enchaîné. C'est-à-dire d'une part, quel était d'une part le tirage et puis le lectorat de ce journal. C'est-à-dire combien de personnes lisaient cela et dans Lyon. Et puis, quel risque ça représentait? Enfin, pour nous, je crois que maintenant, on lit le journal qu'on veut. Et quel était le risque que les gens encouraient à le distribuer ou même être vus avec le journal à la main ou que quelqu'un le trouve chez eux, etc. Enfin, je crois qu'on a du mal à saisir la réalité de ce danger. Merci. La fabrication, c'est la fabrication, la diffusion des journaux clandestins, c'est effectivement toute une histoire. Dans l'histoire de la résistance, il y a un tome comme ça sur l'histoire de la presse clandestine. D'abord, il y a la fabrication qui est difficile parce que le papier est rationné. Les éléments de typographie, il faut bien les trouver quelque part, donc il faut avoir des copains qui travaillent au Progrès ou au Nouvelliste ou etc. qui sortent des caractères en plomb. Il faut se fournir en encre, etc. C'est pour ça que les imprimeurs ont des bons et sur leur fond de bidon, ils vont imprimer tel et tel journal, mais donc voilà, le tirage du coq enchaîné, je vous avoue que je ne l'ai plus en tête aujourd'hui, mais c'est de l'ordre de 3000 exemplaires. C'est à la fois beaucoup pour l'époque, compte tenu des conditions que je viens de vous décrire, et très peu, surtout aujourd'hui, le nombre d'exemplaires est très réduit, parce que ce sont des journaux qu'on lisait, et puis... Guy, qu'est-ce qu'on en faisait après, une fois qu'on l'avait lu? Eh bien, on le passait à quelqu'un d'autre, on le passait au voisin. C'était la seule solution. Et on tâchait d'ailleurs de trouver quelqu'un à qui on avait confiance et qu'on connaissait. Et je pense que c'est des relations personnelles qui permettaient de développer. Ce qui fait qu'en termes de lectorat, c'est 3000 multiplié par... ce qui est un phénomène de presse bien connu, c'est la multiplication. Donc ça, c'est cet élément. Et puis, dernière partie de votre question concernant le danger encouru. Au début, fin 41, début 42, quand paraissent les premiers francs-tireurs, etc., ce qui est risqué, c'est la prison, dans les prisons de Vichy, puisqu'on est en zone non occupée. C'est ça, quand le coq enchaîné est décapité en septembre 1942, Georges Dunoir est envoyé en prison. Il est jugé. Il est jugé pour menée antinationale, etc. Et il est envoyé dans une prison centrale française. Et il est gardé là par des gardes français. Mais au fur et à mesure que le temps avance, en 1943, quand le coq enchaîné reparaît pour se positionner dans la bataille de Gaulle-Giraud, là, c'est la déportation directe qui est risqué. Et Henri Chevalier, quand il se fait arrêter, c'est l'imprimeur du coq enchaîné, quand il se fait arrêter en décembre 1944, il est déporté directement. Moi, je voulais ajouter aussi une chose, c'est que
le coq enchaîné est donc typiquement lyonnais. Pourquoi est-ce qu'il a une branche savoyarde? Ben, tout simplement parce que la Haute-Savoie est limitrophe avec la Suisse et que ça permettait de passer en Suisse, hein, quand c'était nécessaire. Et en particulier, le coq enchaîné en a profité pour permettre à un certain nombre de Juifs de franchir la frontière suisse. Et je peux vous dire que 3 membres du coq enchaîné ont eu la médaille des Justes. Et passer la frontière à Hermance, exactement. Bonsoir. Est-ce que vous auriez des informations concernant la fréquence de tirage durant les 3 ans et demi d'activité du journal ? Alors, il y a eu exactement 12 numéros du coq enchaîné. Entre le 16 mars 1942, qui est la date du premier numéro, et le 3 septembre 1944, qui a été la date du dernier numéro. Et sur ces 12 numéros connus, il y en a probablement que 8 ou 9 qui ont réellement paru. C'est-à-dire que j'ai évoqué Henri Chevalier et son arrestation en décembre 1944. Il est possible que le numéro qui a été préparé en 1944 ne soit jamais paru. C'est-à-dire qu'on n'en a pas retrouvé trace. Et le numéro du 3 septembre 1944, il est prêt, il a été imprimé, etc. Sauf que lui, il n'a pas reçu l'autorisation, le feu vert du commissaire de la République du gouvernement provisoire pour être distribué. Et pourquoi ? Je me suis longtemps posé la question, mais le fait d'avoir travaillé avec les Anglais, etc., etc., ça a fait qu'on l'a écarté à ce moment-là. Mais donc, pour vous dire qu'en 3 ans, il y a eu 12 numéros. Et dans ces 12 numéros, il y en a eu 8 entre le mois de mars 1942 et le mois de septembre 1942. Didier, avant la projection du film, tu as parlé des ramifications après-guerre. Je voudrais savoir s'il y a eu justement une influence du coq enchaîné sur la politique française après-guerre. Alors, il y a eu deux types de ramifications, c'est-à-dire que sur la politique lyonnaise, il est clair que le coq enchaîné a été présent à Lyon et à Villeurbanne pendant les 30 ans qui ont suivi, puisque Louis Pradel a été maire de Lyon, Lucien de Goutte député et sénateur, Marcel Claes a été proche collaborateur du maire de Villeurbanne, et ainsi de suite. Donc le coq enchaîné, non pas bannière au vent, mais il était très présent dans la politique lyonnaise. Pas forcément dans la politique nationale, parce que de par son caractère de proximité avec Édouard Herriot, ben, il l'a un petit peu décliné avec Édouard Herriot, qui est un homme de la Troisième République, qui a été président du Conseil en 1924, président de la Chambre des députés en 1936, et qui a failli être président de la République en 1938. Donc, avant-guerre, Édouard Herriot était l'un des hommes politiques majeurs du paysage du personnel politique français, et après-guerre, jusqu'à sa disparition en 1957, il a décliné comme a décliné le Parti radical. Donc, voilà, sur l'influence, je dirais, politique du coq enchaîné. En revanche, le coq enchaîné, s'il est né, c'est pour défendre aussi des idées, et une idée en particulier, c'est la laïcité. Et ben, 10 ans après la guerre, en 1955, il y a eu le même groupe, c'est-à-dire Jean Fousserel, Lucien de Goutte, Georges Dunoir, qui se sont dit nos idées, elles sont en train de nouveau être attaquées. Et ben, on va refaire paraître le coq enchaîné. Et en 1955, ils ont refait paraître 3 numéros du coq enchaîné. Bonsoir, j'aimerais savoir si le coq enchaîné a un lien avec le journal Le Canard Enchaîné. Non, c'est une question courante, non. D'accord. Non, il n'y avait pas de lien. Alors, je sais pas, il y a une question. Je voudrais savoir si Édouard Herriot avait une quelconque influence, puisqu'il était en résidence surveillée dans la région, je crois. C'était le président de l'Assemblée nationale pendant la débâcle.
Oui. Il n'avait pas, il avait pas voté contre les pleins pouvoirs de Pétain, d'ailleurs, entre parenthèses. Il s'est abstenu. Il s'est abstenu. 80 qui avaient voté contre. Hein. Comment ? Il n'y en avait que 80 députés sur toute la Chambre qui avaient voté contre. Oui, et le département où il y en a eu le plus, c'était le Rhône, d'ailleurs. Donc, je voulais savoir s'il avait une quelconque influence au fond de sa résidence surveillée. Et je voudrais savoir aussi quand est-ce que vous avez commencé la lutte armée, finalement, puisque vous aviez des parachutages de l'Angleterre. Et pour rebondir sur ce qu'a dit le jeune homme là devant moi là, tout à l'heure, le Conseil national de la résistance, effectivement, dans une France exsangue, était très très ambitieux, puisque vous aviez donc notamment la sécurité sociale du ministre Ambroise Croizat, avec une solidarité entre les générations, pour les retraites aussi, en plus de ce que vous avez dit. Et il y a quelques années, le numéro 2 du MEDEF a dit que son but était de détruire les acquis du CNR. Donc voilà, je rends hommage à nos grands résistants. Alors, sur l'influence d'Édouard Herriot dans cette période-là, elle est mitigée. C'est-à-dire que... C'est un homme de la Troisième République et il a du mal à se rendre compte que la Troisième République a été balayée. Donc, il en conserve les réflexes et il ne renverra sa Légion d'honneur à Pétain que en septembre 42, après les rafles de l'été 42. Et je dirais que c'est à ce moment-là qu'il entre en résistance, véritablement. Mais pendant toute la période qui précède, fin 41-42, il est celui qui donne au coq enchaîné les éléments de compréhension de ce qui se passe à Vichy. Et ça permet au coq enchaîné de dire, au moment du retour de Laval au pouvoir, voilà ce qui va se passer, c'est 1 million d'hommes pour l'Allemagne, et ça sera le STO. Donc, il donne les clés de compréhension de ce qui se passe à ceux qui sont en mesure de le diffuser. Ça, c'est l'élément. Et après, il va être mis en résidence surveillée, en Lorraine d'abord, puis dans d'autres endroits, avant d'être emmené en Allemagne, parce que Laval, jusqu'au dernier moment, va vouloir l'utiliser comme une carte pour se sauver, mais l'un et l'autre vont être balayés. Ce qui fait que Édouard Herriot, quand il va revenir, il reviendra comme un prisonnier, comme un otage rentrant, comme un otage libéré. Et d'ailleurs, le coq enchaîné, avec Marcel Claes en tête, avait eu l'intention de faire sauver Herriot de bretelles, en le descendant par des cordes et autres. Mais vu sa corpulence, ils ont renoncé. Et Herriot n'a pas voulu, il a toujours dit « je ne partirai pas ». Et c'est après qu'ils l'ont emmené en Allemagne. Quant au passage de la lutte clandestine à la lutte armée, là c'est Guy qui peut répondre. Moi personnellement, quand fin 43, j'ai donc été coupé du coq enchaîné, à la fois à Lyon et à Annecy. Alors mon ami juif communiste m'a dit, écoute Guy, pourquoi est-ce que tu ne travaillerais pas pour l'FTP ? Ben, j'ai dit oui, pourquoi pas. Alors j'ai fait plusieurs missions pour l'FTP, et en particulier des fausses cartes d'identité. Parce qu'il se trouve qu'un ami de mon père était imprimeur à Annecy, et c'est lui qui imprimait les cartes d'identité et les passeports pour la préfecture de Haute-Savoie. Alors lui, il avait tous les tampons, tous les papiers, c'était formidable. Mais alors, à partir d'octobre 1943, son imprimerie, l'Abeille, était à côté de l'hôtel qui était occupé par les Allemands. Alors, en sortant de l'imprimerie avec mes poches bourrées de fausses cartes d'identité, je passais devant les sentinelles allemandes. C'était un peu pénible. Et puis, quelques mois plus tard, là encore, mon ami juif communiste avait un chef que je ne connaissais pas d'ailleurs, qui a fait d'ailleurs une très brillante carrière au Parti communiste, puisqu'il a terminé au comité central. Et coupé du FTP. Et à ce moment-là, j'ai dit, bon, les
n'y a qu'une solution, c'est rejoindre l'armée secrète de Faverges. Parce que ma famille savoyarde était originaire de près de Faverges, et le chef de l'armée secrète était l'instituteur du village et un ami de mon père. Donc on se connaissait, c'était tous les deux des instituteurs qui avaient fait Saint-Mexant, qui était officier de réserve. Lui était capitaine de réserve. Donc j'ai rejoint l'armée secrète de Faverges, et ça m'a permis d'aller au maquis de Tamiers, ensuite de participer à la libération d'Annecy le 19 août 44, et ensuite au combat de Frontenex en Savoie, où on a attaqué les Allemands et on a eu 4 morts et 6 blessés. Est-ce qu'on peut éventuellement aborder la question du financement de la résistance à travers les deux films, donc le film de la semaine dernière et le film de ce soir, deux organisations très distinctes, bien sûr. Et j'ai eu une question justement la semaine dernière sur, mais enfin, de quel financement bénéficiait la résistance ? Alors, quel financement ? On est obligé de mettre la question au pluriel ? Bien sûr, et on voit bien que, enfin, on peut imaginer que le financement des mouvements comme Combat n'est pas le financement du Coq Enchaîné. Donc, est-ce qu'on peut avoir quelques éléments sur cette question du financement de la résistance ? Il n'avait pas de livre sterling, hein. C'était difficile à écouler. Alors, là aussi, ça dépend des périodes. C'est-à-dire que jusqu'au début de 1942, c'est un financement par cotisation. Un autofinancement. Un autofinancement, voilà. Donc, pour acheter le papier, pour acheter l'encre, etc., il faut se débrouiller. À partir de 1942, il y a deux sources de financement. La première, c'est Jean Moulin, bien évidemment, parce que l'un de ses rôles, c'est justement de financer les mouvements, et il vient, quand il est parachuté, il vient avec des millions en poche, entre guillemets, qu'il va distribuer aux mouvements qu'il connaît, et quelque part, il va donc les estampiller France Libre et créer le rapport avec la France Libre par cet intermédiaire. Et l'autre source de financement, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure et ce dont va bénéficier le Coq Enchaîné, c'est le SOE, les fameux réseaux Buckmaster, service secret de Britanniques, qui eux vont, par leurs agents, distribuer de l'argent pour éditer des journaux clandestins, donc faire savoir qu'il y a une résistance, et puis après amener les armes. Et l'un des problèmes des relations entre tous ces protagonistes va être qu'à un moment, les jeunes qui veulent s'engager dans les mouvements, ils y veulent pour aller au casse-pipe, et celui qui a les armes, il a un avantage sur celui qui a l'argent. Donc, dans l'été 42, le Coq Enchaîné, par exemple, a l'avantage sur les autres mouvements qui s'en plaignent à Londres. Et Londres, quand je dis à Londres, c'est donc à la France Libre. Et ça crée un débat au sein de la résistance, et qui se résoudra au moment de la fin du Coq Enchaîné. Et par la suite, la France Libre développe ses propres réseaux de financement, et les Américains voudront intervenir dans ce système-là, mais n'y parviendront pas de la même façon. Ce qui fait que le troisième canal de financement de la résistance, et il y a un documentaire qui a été diffusé sur Arte il y a quelques semaines, le troisième canal de financement, c'est le deuxième autofinancement. Là, c'est on allait se servir directement dans les agences bancaires, à la poste ou ailleurs, mais contre remise de reçu. Une sorte d'assignat, voilà, contre remise de reçu pour remboursement à la libération. Et tout le monde ne s'est pas fait rembourser. Existe-t-il des copies du Coq Enchaîné disponibles, par exemple, aujourd'hui en bibliothèque ou... Vous pouvez trouver des copies du Coq Enchaîné au Centre d'histoire de la résistance et de la déportation.
Vous les avez sur vous les avez sur microfilm et vous les avez parce que Guy Sanglera a posé sa collection. Moi, j'en ai fait faire beaucoup. Les reproductions identiques, on est incapable de distinguer la copie de l'original, mais il m'en reste plus beaucoup, hélas. J'en ai déposé des originaux au CHRD avec un certain nombre de copies. Et bien évidemment aux Archives nationales. Alors, vous trouverez aux Archives nationales, ça c'est une des curiosités, deux coqs enchaînés. C'est-à-dire qu'il y a eu un coq enchaîné à Paris, qui est un de ces mouvements de résistance dont parlait André Malraux, qui a existé de fin 40 jusqu'à mi-42. Et à mi-42, il a été décapité. Et il s'appelait « Le coq enchaîné, les bataillons de la mort ». Et il a publié 3 ou 4 numéros d'un journal qui s'appelait Le Coq Enchaîné, mais qui était Le Coq Enchaîné parisien. Alors quand le jeune homme tout à l'heure me demandait s'il y avait un rapport entre Le Coq Enchaîné et Le Canard Enchaîné, la réponse est non. Mais entre Le Coq Enchaîné parisien et Le Coq Enchaîné lyonnais, il y a probablement un rapport, mais personne n'a jamais réussi à l'établir avec précision, même pas moi. Mais cela dit, ça reste une possibilité. Je veux dire, les archives ne sont pas muettes. Oui, il ne détient ni la vérité ni la connaissance quand même, hein, n'oublions pas. Si jamais, quand vous allez sur chez les antiquaires et que vous trouvez des anciens numéros du coq, hein, moi je suis promeneur. On va prendre une dernière question avant l'arrêt de notre soirée. Je crois qu'il y en a une là-bas. Oui, bonsoir. Bonsoir. On a parlé tout à l'heure de la mets secrète de Faverges et vous avez ici des habitants de Faverges. Et du coup, j'aimerais savoir si c'était possible d'avoir des précisions sur son rôle, sur sa création aussi, son développement. J'ai pas compris. Il veut connaître l'histoire du maquis de Faverges. Ah, le maquis de Faverges. Si vous voulez, l'armée secrète en Haute-Savoie a été extrêmement dynamique et j'ai récupéré récemment, grâce au petit-fils de mon chef de résistance, un certain nombre de documents. Je crois que je t'en ai adressé. En particulier, le Navant, qui était le commandant Claire, a rédigé des recommandations pour les différents maquis de Haute-Savoie qui étaient remarquables. J'ai montré ça à un de mes amis qui est colonel actuellement, qui m'a dit, mais on voit que c'était un militaire. Il a donné des instructions extrêmement précises. Donc, en Haute-Savoie, l'armée secrète marchait très très bien. Et voilà ce que je peux vous dire. Et récemment, donc, ce monsieur qui a pris contact avec moi à la suite de l'apparition de mon livre m'a dit, ben voilà, j'ai encore des documents, donc on est en train de les regarder. Et en particulier, l'autre jour, il m'a montré un document où René Rioton, alias capitaine Darntal, qui était mon chef, était à un moment donné à Chamonix, et qui, ce commandant, a fait une attestation pour un de ses collaborateurs qui s'était distingué à plus de 3000 mètres d'altitude. Si vous avez bien tout compris. Ah, il y a encore une question, j'avais cru que c'était la dernière. Excusez-moi, c'était l'avant-dernière. Non, c'était juste une petite remarque sur ce que vous disiez sur les collections, juste pour vous dire que l'ensemble de la presse clandestine de la Résistance est en train d'être numérisé par la Bibliothèque nationale de France et les Archives nationales en partenariat avec la Fondation nationale de la Résistance, est donc disponible et commence à être disponible en libre accès sur le site Gallica, la bibliothèque numérique de la. Malheureusement, j'ai plus en tête savoir si le coq enchaîné, comment va y apparaître bientôt, ou y est déjà, il faudrait simplement vérifier. Mais normalement, l'ensemble des ressources disponibles de la presse clandestine va commencer à pouvoir être disponible en ligne gratuitement, téléchargeable. Ah, ça serait une bonne chose. Voilà. Bien, alors avant de conclure, juste. Excusez-moi, il y a cette dame qui lève la main depuis je ne sais combien de temps. Ah bon, alors. C'est la toute dernière, s'il vous plaît.
excusez-moi, c'est à propos de... J'ai entendu une affaire récemment, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. C'est à propos de Raymond Aubrac, en fait. J'avais, enfin, pour moi, c'était une icône de la résistance. Et j'ai une amie récemment qui m'a dit que c'était peut-être pas ce qu'on croyait. Alors, je voulais savoir si c'était vrai ou... Alors, ça, c'était la dernière question qui nous fait repartir pour 3 heures. je dirais que c'est un tout autre, c'est une toute autre question, c'est-à-dire c'est celle de la bataille autour de la mémoire. Et Raymond Aubrac a été au centre d'une bataille pour la mémoire entre différentes parties qui allaient des plus négationnistes aux plus manipulateurs et il en a été victime. C'est-à-dire, on l'a rencontré pour réaliser le film qu'on a projeté la semaine dernière. C'était un homme qui était brillant et qui se savait déjà attaqué parce que c'est au moment du procès Barbie que cette histoire est sortie. Et dans les années 90, il a eu à subir, y compris de la part de ses plus proches amis, une remise en question, une remise en cause qui l'ont beaucoup atteint. Cela dit, il a quand même arrivé à 92 ans et il est décédé l'année dernière. Je conseille, pour comprendre Raymond Aubrac, de lire le dernier ouvrage qui est paru il y a 2 ans, Raymond Aubrac, qui est une série d'entretiens entre lui et un écrivain dont j'ai oublié le nom, je vous prie de m'en excuser, mais qui retrace toute son existence, et vous vous rendrez compte que juste la partie résistance de la vie de Raymond Aubrac n'est que la partie émergée de l'iceberg. Donc vous avez bien compris que tout n'était pas rose dans la résistance, n'est-ce pas ? Et que tous les groupes essayaient de se tirer plus ou moins la couverture, l'argent, les armes et l'idéologie. Hein. Car comme nous le dit dans son Oraison funèbre, Malraux pour Jean Moulin, il avait réussi donc à fédérer de la cagoule au Parti communiste. Voilà. Bien, alors on va tous vous remercier. Alors en particulier Monsieur Sanglera, bien sûr, qui a accepté de venir ce soir. Pour les personnes qui sont présentes et peut-être en particulier les jeunes, et je reprendrai la phrase de la fille du docteur Long, il y a des exemples qui valent des efforts. Donc si vous le souhaitez, Monsieur Sanglera a rédigé un livre de mémoire sur son parcours de résistant, donc il est là à votre disposition si vous voulez aller voir Monsieur Sanglera, il sera ravi de vous transmettre cette mémoire écrite. Je remercie Didier Bouillot à nouveau, je remercie Bernard Maigrot à nouveau. Tous les deux nous ont donné 2 soirées assez exceptionnelles. Pour information, les 2 films que vous avez vus, alors ces soirées sont enregistrées et vous retrouvez donc ensuite sur le site de l'Université Lyon 3 toutes nos soirées que nous organisons qui sont mises en ligne. Simplement, bien sûr, vous le comprendrez, les 2 films qui ont été projetés, qui sont propriété de l'INA, même si les 2 réalisateurs sont là et nous avaient accordé leurs droits encore bien gentiment pour ces 2 soirées, ces 2 films ne peuvent pas être mis en ligne. Alors, pour ce qui est du préfet de l'ombre, vous le retrouvez sur le site de l'INA. Il y a une participation financière modeste qui vous permettra de le revoir. En revanche, ce n'est pas encore le cas pour Le Coq Enchaîné. Là aussi, l'INA est en cours de mise en ligne de la plupart de ces documents. J'espère que Le Coq Enchaîné fera partie des prochains documents qui seront mis en ligne. Voilà, donc toute l'importance de ces 2 soirées, vous avez pu voir du coup 2 films assez exceptionnels. Je vous remercie pour la qualité de votre écoute et je vous donne rendez-vous à la prochaine soirée. Vous avez dit que c'était enregistré. Oui. Vous pouvez couper ce que j'ai dit sur le vote des femmes ? Pas du tout.